Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se donc mardi 4 octobre 2022. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. Hier soir, je me suis bien régalée avec les combattantes. Voilà, il faut être un petit peu comme elles vis-à-vis de tout ce qui va se passer, n'est-ce pas? Et il me semble que lundi prochain, ça va être la fin. Bref. Alors la phrase du jour, bonjour. Je souhaite être un ange pour être capable d'être d'une félicité divine. Alors ceci est une phrase de Sully Prudhomme. Voilà. Je ne viens pas encore pour ce que je vous avais dit, puisque je vous avais dit que la guéguerre allait continuer sur YouTube. Voilà, donc on va voir ça ensemble. Et via donc les 365 jours de méditation, donc nous sommes bien donc le 4 octobre, ici, hein, je vous montre, à la fin d'une méditation avec un jeune enfant, montrez l'exemple en dessinant un large sourire sur votre visage. Le sourire, c'est très important. Donc j'espère que vous allez bien. Donc je vous avais dit que cette guéguerre sur YouTube, hein, hop, c'est trouble, je reviens comme ça, voilà. Continue. Alors déjà, je veux remercier Sabine. Il n'y a pas de quoi. De toute façon, voilà, quand je sens des personnes, comment dire, des bonnes personnes qui sont dans la lumière, quand ça fusionne bien, et eh bien voilà. Et il y en a bien d'autres aussi que j'apprécie, bien sûr. Alors maintenant, alors merci de vos commentaires aussi, c'est très gentil. Et puis j'ai un commentaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Je pense que ça vient de chez... J'ai une petite idée, hein, mais je ne suis pas certaine. Que l'on peut visionner toutes les vidéos sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Ok. Alors maintenant, on s'en prend, comment dire, à Nanou. Nanou, qui fait des tirages politiques. Eh bien oui, on s'en prend à elle. Et déjà, elle avait été visée par cas il y a très très longtemps, d'accord? Donc après, j'ai des choses à vous dire, mais je vous ferai écouter encore une petite chansonnette, hein, sur la jalousie. Alors j'ai cherché. Il y a eu aussi Léo Ferré, hein, qui a chanté une chanson sur la jalousie, mais c'était un peu lent, etc. Et là, j'ai trouvé autre chose, ça pouvait être sympa. Hein. Parce que, si vous voulez, il y a encore ce Froluquet, hein, qui, voilà, c'est une bande là en ce moment qui cherche, comment dire, à atteindre certaines chaînes. Et on en revient toujours au même, c'est au niveau de l'argent. Puisqu'on a appris que Abby, peu importe, je ne juge pas du tout, se ferait une certaine somme au niveau de YouTube par mois. Après ça, voilà quoi, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, etc., etc., etc. D'accord? Donc ce Froluquet dont je vous ai parlé donc hier soir, eh bien, c'est encore un lien vis-à-vis de... c'est une question d'argent encore. Donc, pour moi, ça représente encore la jalousie. OK? Et puis, il y a aussi K de la Bretagne avec ses lunettes. Alors, des fois, elles sont rouges, je ne sais pas quoi. Bref. Qui elle-même l'a dit, puisque je ne l'ai pas inventé. Elle le dit elle-même. Ah oui, je me suis fait un petit café. Café maison. Hein, café bistrot. Express à la maison. Qui elle-même disait qu'avant elle faisait des tirages politiques et bien sûr elle avait plus de monétisation sur YouTube et puis un jour elle a arrêté. Peut-être que ça vient du niveau de l'enquête hein, parce qu'il y a quand même des relations quand même avec la police ou gendarmerie, etc. Donc on évite de dire trop de choses, hein. Voilà.
Alors j'ai envie de dire aussi que tout ce qui se passe en ce moment, c'est politique. Voilà. Qu'on le veuille ou non, c'est politique. Et ça va encore bien plus loin. Bien plus loin que la politique. Voilà. Alors, bah oui, quelque part, on fait des inspections, hein, j'ai envie de dire à ces personnes-là. Eh bien, mettez-vous, je sais pas moi, on a, comment dire, les enquêtes de Murdoch, je sais pas comment ils s'appellent, et bien d'autres, hein, voilà. Donc, faites ce métier-là, hein, pourquoi pas. Bon, on sait très bien qu'il y a des personnes qui ont du mal à finir ces fins de mois, hein. Il y a des personnes âgées aussi qui ont des petites retraites, même s'ils ont travaillé toute leur vie, etc. Mais il faut arrêter de dire qu'on les entube, hein. Faut arrêter, quoi. Là, ils sont en train de chercher la merdouille, hein. Donc maintenant, on s'en prend plus à Sabine, qui, elle, pendant 3 ans, elle en a subi, hein. Moi, je dis que franchement, cette femme, elle est forte parce qu'il faut quand même tenir le coup, quand même, hein. Elle a été visée aussi par une chaîne où on se maquille beaucoup là, hein, on ressemble un petit peu à un clown. Voilà. Après, ça peut se comprendre aussi sans défendre qui que ce soit vis-à-vis de sa maladie. Peut-être qu'elle a des plaques à cacher au niveau de son visage. Mais enfin, bon, elle a été. Sabine a subi aussi des attaques entre guillemets vis-à-vis de cette personne-là, hein, qui est sur YouTube. Où son mari est très gentil d'ailleurs, très gentil. Et puis, je vais pas rentrer dans la vie privée des gens, n'est-ce pas? Ça, c'est leur problème de couple. Et on s'est moqué de Sabine au niveau de glou 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 glou. Voilà. Et ben, si Sabine a envie de prendre un apéritif ou deux, c'est son problème. Voilà, tout simplement. Faut arrêter. Et cette personne-là, hein, qui est très très maquillée, d'ailleurs, elle me fait penser aux anciennes voyantes d'antan. Vous savez, elles étaient très maquillées, du gros bleu aux yeux, etc., avec leurs boules de cristal et tout. Eh bien, elle continue encore à faire des allusions pendant des partages de vidéos. Bref. Et puis donc. Ben, en fin de compte, on a appris que ce Paul 22 pouvait être une personne de Paris, apparemment, hein. Donc cette personne de Paris est visée depuis très longtemps aussi, hein, voilà, vis-à-vis de, voilà, ça, je crois que ça a débuté comme ça au niveau des continents, je ne sais pas quoi, c'est un truc de joue. C'est de la jalousie. Je suis désolée, c'est de la jalousie. C'est pour ça qu'après, je vais vous faire écouter une chanson sur la jalousie. Voilà. Alors, pour mon projet, hein, vis-à-vis de mon rendez-vous, dont j'y suis allée à 2 reprises, on m'a bien dit qu'on pouvait sortir des lames comme on veut. Voilà. À partir du moment que le résultat est bon, que ça soit assez rapidement, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, etc. Comme je dis, il faut laisser le temps au temps faire les choses. Alors maintenant, on s'en prend à Abby, hein, vous voyez qui je veux dire. Voilà. Tout ça, c'est une question de fric. Donc quelque part, c'est de la jalousie également. Donc voilà. Ensuite, j'ai eu en commentaire une personne. Alors j'ai fait le lien après. Je ne peux pas dire son nom. C'est une nouvelle chaîne. Elle est voyante. Voilà. Et ça commence par D et après c'est L. Apparemment, elle a ouvert sa chaîne. Je ne sais plus pour combien de temps. Voilà, bref. Et puis. Alors. C'est assez bizarre parce que j'ai regardé ces. Bah oui, moi aussi je suis curieuse, hein.
Parce qu'il y a, y a deux sens. Quelque part, on retourne sa veste, mais j'espère que c'est dans le bon sens. Parce qu'on voit la présentation d'un tarot, ou je ne sais pas ce que c'est, si c'est un tarot ou un oracle de Justebee. Voilà, elle le montre et tout. Apparemment, ça date de 3 mois. Et c'est ressorti dans les réseaux sociaux il y a 1 mois. Où là, on est en adoration devant K, etc. C'est vrai que son mari fait de très beaux graphismes, il dessine très bien. C'est vrai qu'il a de l'or dans les mains, comme on dit. Et puis, d'un seul coup, on passe à autre chose. Hein? On s'est peut-être aperçu de quelque chose. Et donc, je vais juste vous faire écouter par la suite une partie où on dit une certaine chose et une autre partie où on dit autre chose. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai eu donc un commentaire de cette personne et j'avais pas vu que c'était cette personne qui a ouvert une chaîne, qui est débutante, etc. et qui dit certaines choses qui sont quand même véridiques de ce qui se passe, qui n'est pas normal actuellement dans le monde et non pas que la France. Et maintenant, comme dit Sab, mort de rire, maintenant c'est on s'en prend un à nous. Alors vous savez que Nanou n'a pas la langue dans sa poche non plus, n'est-ce pas? Donc je suis désolée de vous faire ce partage, mais c'est vraiment un truc de dingue. Un truc de dingue. Alors le titre de cette personne qui a ouvert cette chaîne-là, qui commence par D et après c'est L. Alors au début, on fait une présentation, comment dire, de jeu de K. Hein? De Justebee, voilà, ça s'appelle comme ça, je crois que son tarot, son oracle, je ne sais pas. Et puis après, nous avons aussi des choses qui sont intéressantes à écouter, c'est le droit de réponse pour K, comment réagir face à la méchanceté. Et ouais, et ouais. Et ouais. Donc voilà. Alors il faut savoir que c'est vrai que Sabine. Elle a été attaquée à plusieurs reprises, hein, notamment cet été vis-à-vis de son décolleté. Bon, bah, je suis désolée, moi, quand il fait chaud, quand il a fait chaud, comme je suis derrière l'écran, que je ne me montre pas, ou très peu quand on me prend en photo et je vous fais un petit coucou, je suis en paréo. Voilà. Moi, je le dis carrément, je suis en paréo, je suis à l'aise. Quand il fait chaud, il fait chaud. Voilà. Donc on n'a pas à dire quoi que ce soit, trop décolleté, machin, etc. Et après c'était autre chose et autre chose, fallait donner des preuves, etc. Tout est une question d'argent et de jalousie. Ça c'est clair. Et rappelez-vous pas plus tard qu'hier, je vous ai dit que ça allait continuer. Et effectivement, il y a ce Froluquet qui a fait une courte vidéo en ce qui concerne Abby, plus loin. Gaëlle, en disant qu'elle touchait tant par mois vis-à-vis de YouTube. Et on la critique, et on la critique, et on la critique, et on la critique. Voilà. Bon, une chose que je voulais vous dire aussi, d'après mes ressentis, la 17e lettre de l'alphabet a été aussi intégrée dans le D plus loin S. On y croit, on n'y croit pas. C'est comme ça. Donc voilà, quand je vous avais dit que ce serait quelque chose sans fin jusqu'à temps que. Parce qu'à chaque fois, le Froluquet dit j'arrête, je parlerai plus de un tel, nanana, et ça continue, et ça continue. Et c'est la même chanson. Alors tous les jours, vous avez des surprises. Voilà. Donc, Nanou n'a pas sa langue dans sa poche, Sabine non plus. Alors, par contre, pour la chaîne des partages de Sab, vous savez qu'elle fait de très très belles créations, j'ai vu, etc. Et ses orgonites avec des anges dedans, c'est magnifique. Et puis, bien d'autres choses aussi. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir. S'il y a des choses qui vous intéressent, parce que voilà, si je le dis, c'est que je le pense sérieusement. Voilà, je suis pas en train de faire du lèche ni quoi que ce soit, mais cette personne, je la ressens depuis longtemps et elle dégage quand même
de la lumière. Et quelque part, c'est une femme courageuse aussi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup à faire, comment dire, dans son habitat qui est quand même assez vaste. Il y a beaucoup à faire, hein, notamment quand on a aussi des animaux, etc., etc. Donc, vous voyez, je ne me suis pas trompée. Pas plus tard qu'hier, je vous avais dit, cette guéguerre, elle va continuer. Mais ils vont continuer encore, hein, jusqu'à temps que les gens n'en peuvent plus. Voilà. C'est faire baisser aussi les vibrations et c'est vouloir boucler certaines chaînes, hein, qui dérangent. Qui dérangent. Alors, je vais vous faire écouter donc une chansonnette. Hein, en ce qui concerne la jalousie, parce que c'est vraiment ça. Et puis après, je mettrai sur pause et je ferai mes recherches sur cette nouvelle chaîne, DL. Voilà. Où d'un côté, au début, on dit des choses sympathiques sur K de la Bretagne. Et puis après, alors, oui, parce que ça date de 3 mois, hein, cette présentation de jeu venant de K à la Bretagne. Et puis après, on change son langage. Et ça, c'est intéressant ce qu'elle dit aussi. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas normales depuis quelque temps, etc., etc., etc. J'espère que j'ai rien oublié. Alors oui, il y a quelqu'un, je pense qu'y savoir, qui m'a mis en commentaire que n'importe qui peut regarder n'importe quelle chaîne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais on n'a pas à critiquer certaines chaînes. Et être vulgaire comme l'a été ce petit froluquet, moi je l'appelle comme ça, je suis désolée, imbu de sa personne. Et puis voilà, comme je vous avais dit, je vous avais invité à regarder certaines vidéos, surtout une où il a dit des mots quand même qui ne sont pas faits pour les en plus loin fans et les ados les plus loin sans. Allez, on y va, vous êtes prêts? Alors ce matin, j'ai sorti Nouki. Alors, il y a du brouillard, le brouillard est encore présent, donc c'est très humide. Mais après, je pense que ça va se dégager. Et demain, nous avons ici l'après-midi dans le nord, dans le nord-est, qui est assez vaste, puisqu'on l'appelle le Grand Est maintenant, on a changé de nom. Et l'après-midi, on va atteindre les 20 ou les... 21 degrés. Voilà. Donc ce matin encore machine hein, pour rafraîchir des vêtements d'hiver. J'ai des chemises bûcherons qui sont très chaudes aussi. Voilà, des pyjamas, des choses comme ça, etc. etc. Bref. Donc aujourd'hui c'est tranquillou, tranquillette comme on dit. Et puis ben, je vous laisse écouter cette chansonnette. Voilà, il n'y a pas d'instrument. J'ai découvert ça ce matin, j'ai fait mes recherches et j'ai découvert ceci. Alors, il y avait à choisir entre Léo Ferré qui parle de jalousie, mais c'était un peu tristounet, je trouve. Il y avait Marc Lavoine, J'habite en jalousie, donc là, ça parle de couple, etc. Donc, ça n'a rien à voir. Mais là, j'ai trouvé que c'était sympa. Donc, je vous laisse écouter si vous le souhaitez. Vous installez, vous buvez un petit café, un petit chocolat. Un thé, peu importe. Par contre, moi, j'ai le mien ici. Voilà. Alors oui, je fume une cigarette, hein, puisque je ne fais pas parler des lames. Donc, hein, si ça dérange, ben, tant pis pour les personnes. Et je vais vous faire écouter ceci en espérant que ça va être assez fort. Alors... La vie c'est pas facile, on dirait bien que j'hallucine. Tout le monde veut s'accuser, mais le mal de ce monde c'est la jalousie. La vie c'est pas facile, on dirait bien que j'hallucine. Tout le monde veut s'accuser, mais le mal de ce monde c'est la jalousie. J'ai pas besoin de jaloux, t'as pas besoin de jaloux, on n'a pas besoin de jaloux. J'ai pas besoin de jaloux, t'as pas besoin de jaloux, on n'a pas besoin de jaloux.
J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, si tu savais ce qu'on a prévu cette année. Même si t'es jaloux, ta fierté tu vas la ravaler. Mais si tu savais, ton cinéma nous a gavés. Mais ça va jamais nous empêcher d'avancer. J'ai pas besoin de jaloux. T'as pas besoin de jaloux, on n'a pas besoin de jaloux. Jaloux, jaloux. J'ai pas besoin de jaloux, t'as pas besoin de jaloux, on n'a pas besoin de jaloux. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. J'écoute pas les jaloux, jalousie, dans ton cœur c'est la jalousie. Les jaloux, je les comprends pas. J'ai fait mon taf, et tu kecha. Les jaloux, je les comprends pas. J'ai fait mon taf, et tu kecha. J'étais pas jaloux, je les comprends pas. J'ai fait mon taf, et tu kecha. Les jaloux, je les comprends pas. J'ai fait mon taf, et tu kecha. J'écoute pas les jaloux. Je mets sur pause. J'allais faire un tirage pour voir un petit peu au niveau du professionnel. J'avais préparé déjà ici quelques cartes et j'allais finir voir. Donc ici, c'est le droit de réponse pour K. Comment réagir face à la méchanceté? Chaîne, ce qui pourrait se dire, voilà, au niveau
n'était pas forcément vrai ou que c'était juste pour faire du buzz ou des choses comme ça et qu'il fallait être méfiant de ça. Voilà, tout le monde le sait qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on entend, à vérifier. Et après, par rapport à certaines prédictions, que ce soit moi ou une autre croyante, voilà, c'est pas à 100%, donc on peut se tromper, ça arrive, mais voilà, tout simplement. Mais ensuite, ce qui m'ennuie plus, c'est que tous les jours, pratiquement, dès que Karine sortait une vidéo, elle attaquait. Et toi, en commentaire, tu as laissé un message qui va dans le sens de cette personne qui m'a dénigré, qui m'a insulté, qui m'a traité de ci ou ça. Enfin bref, je l'ai en procès et je vais te claquer un procès également, je vais te faire un procès. En gros. Donc ça va un moment. Et ensuite, comme dit, à chaque fois, que ce soit en communauté ou sur sa page, dès qu'elle faisait une vidéo, et elle rigolait, et se moquait, et disait, je vais te faire un procès, moi aussi je vais te faire un procès, et toi t'es pas une voyante. Je suis allé voir ta chaîne, t'as dit ça, elle mettait des captures d'écran, plein de choses. Et moi, honnêtement, je suis une personne qui aime bien le calme, qui aime bien voilà, aider les gens, être dans l'amour, la bienveillance, et qui fuit un petit peu les conflits et les personnes qui dénigrent, qui n'arrivent pas à parler des gens, et qui fouinent un petit peu dans leur vie. En fait, j'aime pas les gens qui fouinent dans la vie des gens et qui cherchent la merde, qui cherchent les petits trucs à savoir est-ce qu'elle a dit vrai, est-ce qu'elle a dit faux. En fait, comme on dit, des bunkers, enfin, elle cherche des preuves par rapport à certaines voyantes qui prédisent des choses et elle dit, oui, c'est faux ce qu'elle a dit, oui. Mais voilà, c'est faux, ça arrive et j'ai envie de dire, les gens sont assez intelligents pour aller vérifier les informations. Si une voyante dit, ouais, telle et telle, je ne sais pas, là, elle avait un exemple d'un procès avec, je ne sais plus, Mélenchon, il me semble. Les gens sont assez intelligents pour aller d'eux-mêmes vérifier ces informations, si effectivement c'est arrivé ou pas. Enfin bref, j'ai envie de dire. Donc voilà, il y a certaines chaînes, honnêtement, je ne les connaissais pas, comme la chaîne d'Abigaël, je ne sais plus, enfin il y a tellement de chaînes qu'elle a parlé, que c'était tous un clan, que c'était genre de secte et tout, et je me suis dit, je vais quand même aller vérifier, enfin vérifier, jeter un œil à ces chaînes, voir un petit peu. Et j'ai été surprise parce que, honnêtement, que ce soit la chaîne d'Abigaël ou d'autres, j'ai elles ont la façon de faire les tirages, mais voilà, elles disent ce qu'elles pensent. Elles sont traitées de peut-être complotistes, mais j'ai envie de dire, pas forcément, parce qu'il y a des choses qu'elles ont dit, que moi je ne dis pas forcément dans mes vidéos que je vois, j'utilise d'autres termes, d'autres mots, parce que voilà, justement, j'ai pas envie d'être traité de complotiste, mais voilà, ce sont des choses que il faut être quand même un minimum éveillé pour être conscient de certaines choses qui ne sont pas normales et que certaines personnes. Voilà, nous traite de complotistes. Il y a juste l'histoire de la technique, de ce qui se passe en Ukraine, de Poutine, soi-disant c'est le gros méchant, mais après il faut regarder le fond du pourquoi, du comment ça en est arrivé. Je ne cautionne pas du tout la guerre, il y a des victimes, c'est malheureux, c'est triste, ça me. Voilà. Mais tout ça, c'est pas arrivé pour rien. La pollution, les choses dans l'air, il y a des choses qui se passent. Ça ressort souvent dans les tirages, j'en ai parlé à plusieurs reprises des choses au niveau de l'atmosphère. Au niveau de la Russie, je l'avais annoncé dans une prédiction en fin d'année 2021, j'avais vu oui, les conflits avec les Russes et que ça allait péter, le bombardement, j'avais vu le bombardement arriver. Et genre 6 semaines après, effectivement, la Russie avait attaqué. J'ai vu plein de choses, enfin bref, je ne vais pas revenir sur mes prédictions, mais voilà, pour le travail, pour. Des pénuries d'électricité, voilà, plein de choses comme ça que j'avais annoncé, les changements de loi au niveau du travail, donc voilà, pour l'emploi, ça a changé de nom, les réformes, les retraites, l'élection d'Emmanuel, j'avais vu la fin, quelque chose de total pourri, est-ce que c'est seulement au niveau des législatives, je ne sais pas, mais je vois encore, dans d'autres tirages plus récents, quand même encore une fin pour lui. Quelque chose aussi lié à une femme, donc est-ce que c'est avec sa femme ou il va se séparer de sa première ministre ou de quelque chose en rapport avec la von der Leyen, je sais pas comment ça s'appelle celle en Belgique, hein. Enfin je ne sais pas, La mais en tout hyène. cas voilà, il y a plein de choses que j'ai vues sur des traitements, sur des apparitions dans ce virus, c'est arrivé avec le virus du sage, j'ai vu quelque chose qui allait retoucher les enfants, un virus qui allait toucher à nouveau les enfants, j'ai vu. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas vérifié, mais un truc comme
pourquoi certains enfants avaient un nouveau virus qui causait paralysie, etc. Ce virus-là aussi. J'ai eu des traitements qui allaient sortir par rapport à l'Alzheimer, c'est arrivé. Enfin bref. J'ai vu énormément de choses qui sont arrivées et j'ai vu énormément la carte du satanisme, plus du côté obscur, Satan, manipulation, enfermement, contrôle mental. Donc voilà, à un moment, il faut s'enlever les œillères et regarder les choses comme elles sont. C'est pas tout beau, tout rose, la pique-pique, voilà. Ouais, je vais pas à dire, mais voilà, moi je ne suis pas vacciné et on me dit, on pourrait me dire, oui, t'es complotiste, anti-vax. Non, pas du tout. On dit ce, ça n'a rien à voir avec mes filles étaient vaccinées, moi-même j'ai été vacciné. Voilà, j'ai toujours suivi tous les trucs, mais celui-là, c'était niais, c'était non. À un moment, il faut être conscient des choses, faut pas se voiler la face. Et j'ai juste laissé, pour en revenir à une attaque que Karine m'a affichée sur sa page, que je n'ai pas aimée, voilà, elle a fait une vidéo hier soir, d'ailleurs elle a supprimé toutes ses vidéos, voilà, elle s'est peut-être rendue compte qu'elle avait pété un câble là, qu'elle a eu besoin de faire une pause, bah, tant mieux j'ai envie de dire, parce que là, ça commençait à, entre aller faire le flic sur YouTube, à fouiller sur toutes les chaînes, à chercher la merde un peu partout, faire, pour moi, de la provocation pour que les gens se rebelle contre elle et qu'elle ait des preuves pour donner à son avocat, comme elle a dit, ah, t'es tombé dans le panneau, nanana. Mais voilà, arrête de chercher la merde, arrête de fouiner sur les chaînes. T'as rien d'autre à faire, je sais pas, tu as un grand jardin, t'as des chiens, fais ta vie, j'ai envie de dire. Moi, ça m'a, franchement, ça m'a saoulé juste parce que j'étais sur la page de Winnie, je la connaissais pas. Et elle avait parlé, elle avait critiqué, je sais pas, je suis allé voir sur sa chaîne et j'ai dit à Winnie, oui, c'est malheureux, c'est triste. Moi, j'aimais beaucoup Karine, ce qu'elle faisait avant. J'aime beaucoup ses oracles. D'ailleurs, j'ai un tarot, j'en ai un là. Mais je ne conseille pas voilà, ses attaques tout le temps et qu'elle parle tout le temps de tous ses concepts. Ok, elle a raison. Qu'elle se défende par rapport à ses agressions qu'elle a subies au niveau de son handicap, qu'elle fasse des procès. Voilà, tout à fait, c'est son droit, comme elle dit. Elle a le droit. Il y a des lois, exactement. Moi, je l'ai défendu par rapport à ça. J'ai dit, ne te laisse pas faire. Je te soutiens à fond. Je l'avais soutenu, voilà, par rapport à ça. Parce que comme j'avais expliqué, j'ai une enfant autiste et j'ai un beau-fils autiste très très sévère. Donc je sais ce que c'est. J'ai vécu avec des personnes qui avaient des handicaps. Enfin voilà. Donc moi, la maladie, et je suis très tolérante, je suis contre toute forme de discrimination, que ce soit raciale, que ce soit au niveau de la religion ou autre. Je ne cautionne pas les gens qui se moquent, qui n'acceptent pas. Voilà, on est là pour s'aimer, pour être dans la bienveillance et s'accepter tel que nous sommes. Tout simplement, notre rôle, c'est pas d'être en train de fliquer les uns les autres et d'être en train de se casser. Voilà, moi je suis ce genre de personne qui cherche les embrouilles. Donc j'avais dit chez Winnie, oui, c'est triste, voilà, je suis un peu déçu, j'aimais beaucoup sa chaîne, je regarde moins, ou du moins je regarde une partie des vidéos parce que voilà, ça me saoule d'entendre, oui, toi aussi en commentaire, t'as laissé un commentaire contre moi, toi aussi tu vas en être en procès, ah, toi aussi t'as fait des choses fausses sur moi, toi aussi je vais te faire un procès, diffamation, ci et ça. Mais en fait, on dirait qu'elle veut vivre de procès et de débloquer les chaînes, de faire sauter des chaînes, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Elle s'est mis en tête que c'était son devoir, c'était son taf à elle de faire ça, de fouiller sur les chaînes de voyance, de prédiction, et de dire ça c'est faux, ça c'est vrai, celle-là c'est pas une voyante, celle-là c'est une voyante. N'importe quoi. Voilà, ça je ne cautionne pas, donc voilà, car a supprimé la vidéo où elle m'a affiché, elle a dit oui, en gros les traîtres, mais non, c'est pas être traître de dire j'en ai marre de voir ça à droite, à gauche, là, gardez les trucs pour vous, réglez-les en message privé ou avec vos avocats, mais arrêtez de polluer un petit peu, c'est dommage. Sur toutes ces chaînes, il y a du bon à apprendre un peu partout, des choses intéressantes à écouter, des choses. Après, c'est à chacun de faire le tri et de prendre ce qui lui parle et de faire peut-être un petit peu aussi des investigations à confirmer est-ce que c'est vrai ou pas ce que cette voyante, cette médium a dit ou pas. Mais voilà, voilà, c'est pas notre rôle d'aller fliquer, de démonter les chaînes, je sais pas moi. Ou alors, comme dit, si c'est vraiment un truc qui lui plaît, mais elle aurait pu ouvrir une chaîne dans ce sens-là et laisser sa chaîne pour les tirages, pour les prédictions, pour comment elle expliquait les cartes, pour présenter ses jeux, ses oracles, ses tarots.
Ça, franchement, elle aurait fait un super taf comme ça. Elle aurait juste fait une chaîne pour, voilà. Je vous démontre que cette personne a fait une mauvaise production. Les gens qui étaient intéressés par ce genre de contenu, de personnes qui cherchent à démonter les chaînes, à prouver le... Ça existe, il y en a, hein. Que ce soit dans le paranormal ou autre, il y en a, hein, qui le font. Donc, pourquoi pas se lancer, créer une chaîne uniquement dans ce but-là. Mais voilà, pour moi, c'était dommage qu'elle foute un peu, pour moi, sa chaîne en l'air de ce contenu qui était intéressant. Parce que quand on s'abonne à une chaîne, c'est qu'on aime le contenu à la base. Et ensuite, si la personne, souvent, elle part dans un autre contenu, si moi, aujourd'hui, je fais une chaîne où je parle de cuisine, et les gens s'abonnent, et demain, je vais commencer à parler de mes chiens, peut-être que les jeunes vont dire, ouais, elle saoule avec ses chiens, c'est bon, on aime les animaux, mais sans plus, quoi. Donc, je vais voir une autre chaîne de... Donc, Karine, c'était un petit peu ça pour moi. Je suis déçu, voilà, je suis déçu qu'elle m'ait affiché et qu'elle ait dit oui, je fais ce que je veux, c'est ma liberté d'expression. Si j'ai envie, en gros, si j'ai envie de faire des procès, je fais des procès. Ok, tu fais des procès, t'as le droit. C'est tout à ton honneur, mais j'ai envie de dire, arrête de fouiner sur les chaînes, arrête de parler mal, arrête de toujours dire je vais faire un procès à celui-là, je vais faire un procès à celui-là. Voilà, parce que ça saoule et j'ai le droit de le dire, j'ai aussi le droit de m'exprimer et de dire que ça commence à me fatiguer de voir toutes ces attaques à droite, à gauche. Voilà, alors ça attaque, après ça s'étonne que l'autre chaîne réplique et attaque, et ainsi de suite. Donc ça fait ping-pong, ping-pong. C'est saoulant, j'ai envie de dire arrêtez maintenant, stop, s'il vous plaît. J'ai dit chez Winnie, sur sa chaîne, le compteur de Winnie, j'ai dit oui, que chacun se mêle de sa chaîne et n'aille pas critiquer le travail des autres. Voilà, chacun fait son taf. Son truc comme il le ressent avec sa conscience. S'il y a des faux médiums qui inventent des choses, et ben, tant pis pour eux. Du moment que voilà, j'ai envie de dire qu'ils font pas de mal et qu'ils escroquent pas les gens, voilà, c'est j'ai envie de dire, voilà, c'est tout. Donc, un petit coup de gueule, je suis désolé pour vous, mes belles abonnées qui me suivent habituellement pour des petits tirages du jour. Voilà, j'ai dit en général, j'ai de mélanger mes opinions et par rapport à ce que je vois et par rapport à ce que je sais, parce que voilà, comme dit, quand je vois pollution atmosphère, encore des choses, quand je vois du contrôle mental, contrôle truc, je vais pas dire oui, effectivement, on est vraiment. Donc voilà. Donc vous voyez, je ne pensais même pas que cette personne avait été attaquée entre guillemets. Procès, procès, procès. C'est vrai que quelque part, on cherche à supprimer certaines chaînes. Et comme je vous l'ai dit, eh bien, c'est toujours une question d'argent. Voilà. Puisqu'elle-même, K, l'a dit, quand elle faisait des tirages de politique, elle avait plus de monétisation, c'est comme ça qu'on le dit. Et depuis qu'elle a arrêté, je pense savoir pourquoi, de faire des tirages sur la politique, eh bien, je pense savoir pourquoi. Voilà. Donc, c'est facile de s'en prendre à d'autres chaînes quand on est, comment dire, protégé. C'est vrai que je suis désolé, je répète les mots de Sab, ce qui est vrai de toute façon. Hein, il y en a qui sont protégés par les NAD, etc., etc., etc. Donc vous voyez, hein, ça attaque de partout. Et comme je vous l'ai dit, c'est une histoire sans fin. C'est normal que les gens réagissent pour se défendre. Bah oui, c'est normal. Donc voilà. Voilà, c'est très court. Donc oui, pour moi, il y a une question de jalousie. C'est pour ça que je vous ai partagé cette chanson. Voilà. Et ben, je vous dis à plus tard. Voilà, parce qu'à chaque fois, je devais revenir pour ça, pour ça, pour ça. Puis finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai découvert encore, pas plus tard qu'hier soir, encore ce froluquet ce froluquet, je ne sais pas si c'est sorti tout seul, qui s'en prend encore à Abby. Voilà. Et puis maintenant, c'est au tour de Nanou. Voilà. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça date vraiment pas d'aujourd'hui. Donc il y a vraiment des personnes qui sont visées. Voilà. Ça flic, apparemment, on doit bien se faire, je dirais pas le gros mot, je dirais on doit bien s'embêter quand même. Hein.
Ouais. Alors, je sais pas si Cal a pété un câble ou quoi, mais enfin, bon, là, ça va un petit peu trop loin quand même. Hein. Ah ouais, ça va vraiment un peu trop loin. Voilà. Et comme elle le dit, cette personne, eh ben, c'est un truc sans fin. Voilà, c'est normal que quand on attaque une chaîne, eh bien, quelque part, on veut se défendre. Et il y en a qui, comme je vous ai dit, qui sont obligés de donner des preuves. Voilà, pour être tranquille, etc., etc. Tout ça, c'est une question d'argent, la monétisation de ceci, de cela. Et puis, apprendre aussi, faire des associations, des machins comme ça et tout ça. Et moi, quand j'ai été donc pour mon projet, hein, j'avais rendez-vous. D'ailleurs, j'ai reçu, je le redis encore, j'ai reçu un mail où je dois répondre à des questions, etc. Eh bien, cette personne, hein, qui est bien placée, m'a bien dit qu'on pouvait faire sortir, ça, ce sont ces phrases, ces cartes, que ce soit tarot ou oracle, comme on a envie, du moment que le résultat est bon. Voilà. Mais comme je le dis, le résultat peut arriver plus tard. L'espace-temps, etc., c'est pas évident. C'est vrai qu'après, avec le pendule, on peut avoir des réponses assez rapides. Hein, il suffit d'avoir une bonne planche, etc. Ou sans planche aussi, on peut le faire aussi. Hein, voilà. Et puis chacun a ses ressentis personnels, tout simplement. Voilà. Mais quelque part, si vous regardez pas mal de chaînes, ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais non, l'AK et puis l'autre Froluquet, là, qui reprend le relais, ce sont des personnes bornées. Voilà. Qui ne croient pas à grand-chose. Malheureusement. Qui ne croit pas, je le redis encore, hein, aux vertus, les propriétés des pierres, etc. Ça existe, nous sommes énergie, tout est énergie, un objet est énergie, tout est énergie. Donc ça, faudra bien qu'elle se le rende dans son crâne quand même. Voilà. Voilà, je suis pas, hein, je n'ose pas le ton, je suis très calme. Donc voilà, c'est un peu long, ça fait 40, pardon, ça fait 42 minutes. Hello, ok, excusez-moi. Et j'ai envie de dire à Sab de ne pas arrêter ses voyances privées. Pourquoi? Puisque tu as des bons retours, je m'excuse de te tutoyer. Hein. Si ça te dérange, je peux te vouvoyer. Tu as des bons retours, pourquoi arrêter? Franchement, pourquoi arrêter? Donc je souhaite à ces personnes qui sont visés, bonne continuation. Ne vous arrêtez pas à ces dires de ce Froluquet qui reprend le relais de K. Hein. On voit bien, de toute façon, ouais, je crois que c'est K qui l'a sorti, hein, ce Froluquet. Voilà. Bref. Donc voilà, je vais vous laisser. J'espère que ceci vous a intéressé. Et je vous fais coucou et je vous dis à très bientôt. Et bon courage à ces personnes qui sont visées. Hein. Il y en a qui réagissent, il y en a qui réagissent moyennement, qui ça leur passe par-dessus la tête, etc. Mais il faut arrêter un peu le délire là, franchement. Ouais. Hein, on est contrôlé déjà à l'extérieur. Et bien maintenant, on est trop les fliqués et tout ce que vous voulez sur certaines chaînes de YouTube. Allez, je vous fais des bisous et passez une agréable journée. Bisous, bisous.